Ah, mais Daniel, fais-nous ta pirouette! Salut tout le monde, ici commence le deuxième épisode de Jump in a Po-Fo! Content de vous avoir de retour pour un deuxième épisode. Cette fois-ci, j'ai spoté une maison et elle est à vendre. Ça veut dire qu'il y a clairement personne dans cette piole. On va avoir la paix pour faire qu'est-ce qu'on veut. Fait que là, j'essaie de trouver la place pour pouvoir y aller. Oh, c'est ça, la piscine qui est prête, là. Fuck ta chaise! Fuck ton stock de patio! Fait qu'on se trouve un spot. Oh, c'est ça. 3 étages de haut. Oh. On va commencer par monter sur... T'es qu'un connard! Yeah, boy, un petit plongeon de lopette! On va passer aux choses sérieuses. On se trouve un spot. Pis là... What the f... Oh! Boy, t'es-tu correct? Ça va-tu? C'est quoi qui s'est passé? Le pied dans la gouttière, tabarnak! Quel genre de contracteur fait une job de cul de même? La gouttière, elle tient même pas. Bon. Fait que là... Ah, on a comme 3 steps, that's it. Oh! Jump in the pool! Comme un vrai champion. Straight up. Fait qu'on monte le mur de briques. Vous avez compris le principe, là. C'est tout le temps le même chemin. On recommence. In the pissure. Oh! Bon. Tête première dans le plancher. On va pas le cacher, là. On retourne sur le toit. Honteusement, comme une piète. Là, c'est le step numéro 2. Comme je disais, il y avait 3 steps. Mais là, ça a l'air d'être un plongeon. Oh, shit! Il a manqué ce qu'on y a fait. Un hostie de chanceux, le 2. Imagine le sentiment d'adrénaline que t'aurais, ça t'arriverait. Hein? Puis si tu te cognes à la tête, là, ben... Si tout le monde est sous, tout le monde se sauve si t'es dans la merde. Puis on l'essaye. Jump in a pool! Réalisé parfaitement par un parfait professionnel. On y retourne. Oh, shit! Oh! Il s'est blessé! Vite, on saute! Le gars, il s'est ouvert la tête! Hey, dude, t'es-tu correct? Fait que là, notre plongeur des pauvres, il va essayer de tenter le 3e step. Oh, shit, j'ai manqué de planter comme une piatte. 3, 2, 1. Oh, shit! C'est de la perte! Ben, est-ce que tu peux, cabane? Yeah, boy! Oh! J't'ai pas manqué! Le gars, il y avait un doute raisonnable. T'as-tu vu ça? Tu poursuis le contracteur, tu poursuis le propriétaire, pour ça, tu le mets dans la barre. Je me suis blessé chez vous, fuck you! And now, jump in the pool, fool! Straight up! Ça veut dire que c'est terminé! Merci d'avoir été là, on se voit la semaine prochaine pour d'autres esticots qui n'ont pas l'allure de jump in the pool, fool! Please like, subscribe, get notified.